commence à ressembler au printemps et ça ne devrait pas déplaire à la star du jour, le poulet de Haute-Garonne que vous allez retrouver dans l'Alicuit, une spécialité toulousaine, un sauté de poulet fermier aux olives. Faites chauffer les cocottes. Direction Bourg-Saint-Bernard, un village situé à 30 km de Toulouse, à la confluence des climats océaniques et méditerranéens. Les célèbres chaleurs de l'été et les rafales du vent d'automne font de la région Midi-Pyrénées l'une des plus chaudes de France. Aujourd'hui, Cécile et Fabienne, deux amies, nous préparent un plat typiquement toulousain, l'alicuit de poulet, une recette idéale pour le printemps, diététique, simple à réaliser et peu coûteuse. Tu sais que j'ai jamais mangé d'alicuit. Ah ben écoute, ça tombe bien parce que c'est une recette traditionnelle de ma grand-mère. Et c'est l'occasion de redécouvrir les saveurs d'antan au pays des Cathares. Coucou Denis. Et bonjour Fabienne. Comment va? Eh bien ça va. Bon, tu vas bien? Oui. Comme. Fabienne a l'habitude d'acheter son poulet fermier chez Denis pour cuisiner son alicuit. Aujourd'hui c'est le printemps, il fait beau, les poulets sont sortis. Bon, ils ont l'air bien en forme tes poulets là. Est-ce que c'est le printemps qui les rend aussi gaillards et vifs? Oui, ils sont heureux, enfin on peut dire ça. C'est une température aujourd'hui qui est idéale. Ici, entre 20 et 25 degrés, donc c'est quelque chose qui leur va bien. Bon, après l'été, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le poulet parce que bon, il fait trop chaud, ils sont toujours en train de boire. Par contre, toi, l'hiver, c'est surtout le vent qui retourne les plumes et ils n'aiment pas trop ça, se faire retourner les plumes, quoi. Donc, l'idéal, en fait, c'est le printemps. Bon, Fabienne, ton alicuit, tu le veux pour combien de personnes? Environ 4 à 6 personnes. Bon, on va essayer de mettre un poulet assez joli quand même, dans les 3 kilos. Oui, il y a quelque chose oui, de quand même, oui, oui. Mm. Bon, allez, on va essayer d'attraper ça alors. D'accord. Direction la maison de Fabienne. On n'attend plus que Cécile, son amie, pour préparer le traditionnel alicuit de Toulouse. Bonsoir, ça va? Bonjour Cécile. Ça va? Bien, oui. Très bien. Ah, on va se faire un petit alicuit, super. Voilà, hein? Donc comme je l'avais promis, voilà, j'ai commencé de préparer le poulet. D'accord. Et ben, on va s'occuper des carottes. Avec plaisir, ouais. Voilà, allez, donc, moi je vous fais les carottes. Allez, très bien. Je garde la peau, c'est là où il y a toutes les vitamines. Et en même temps, elle t'apporte la bêta-carotène. Donc ça, au printemps, tu manges beaucoup de carottes et tu te fais ta préparation pour ton futur bain de soleil. Nos amis découpent les pommes de terre, les champignons frais, l'ail et les oignons. Tu savais que l'oignon, ça faisait monter la tension? Mais je la prends, non? Mais voilà. L'ail, ça le fait descendre. Ah ben voilà, donc c'est un plat équilibré. Parfait. Et voilà, génial. Tu sais que j'ai jamais mangé d'alicuit. Ah ben écoute, ça tombe bien, mais je suis bien contente au moins que tu puisses le découvrir, parce que c'est une recette traditionnelle de chez nous, de ma grand-mère. Tout ce qui était les morceaux nobles du poulet, on les mangeait souvent le dimanche. Et ce qu'il restait, donc les abats, elle les cuisinait pour ne pas les perdre forcément, hein, avec les légumes qu'elle avait à sa disposition. Donc là, on a tout préparé, tout coupé. Il nous manque le bouquet garni. Ah, très important ce bouquet garni. C'est ce qui va donner toute sa saveur à l'alicuit. Donc le thym, on l'a là-bas derrière l'arbre de Judée. Oh, il est magnifique, hein. Voilà. Oh, c'est beau. Fabienne et Cécile vont cueillir maintenant leurs herbes aromatiques dans le jardin. Je prends du thym et quelques petites fleurs parce qu'à la limite... Pour décorer le poulet, ouais, hein. Pour décorer super. À la fin, ce sera super ça, sympa. Ça va être chouette, ouais. Mmh. Voilà. Retour en cuisine, Fabienne a une astuce pour tenir son bouquet garni. Une feuille de poireau entoure la sauge, le romarin et le laurier. Le tout ficelé avant de le plonger dans la cocotte. Et ça, c'est le printemps. Ah ouais, c'est génial, hein. Ensuite, on fait dorer le poulet dans l'huile d'olive, puis on le fait mijoter dans une cocotte. Je mets les oignons pour qu'ils roussissent un petit peu. Oui. Là, pendant ce temps, il faudrait que tu saupoudres ta farine. Je saupoudre. Voilà, on appelle ça singer. Singer, donc je vais singer. Voilà. Il faudrait mettre le sucre pour faire caraméliser les oignons. Et ça va couper l'acidité du vin blanc sec qu'on va rajouter en fait pour déglacer tous les sucres. On ajoute les oignons, les olives, le bouquet garni, les carottes, 3 verres d'eau et on fait cuire le tout à feu vif pendant une demi-heure. C'est vraiment simple, très simple. Ensuite, on fait rissoler les champignons à la poêle
et on place les pommes de terre en dernier. Là, si tu les mets sur le dessus, elles vont prendre la vapeur et le goût de tout ton bouillon. D'accord. Sans s'écraser. C'est voilà. Presque des pommes de terre à la vapeur. À la vapeur de poulet. C'est vrai. Ah, mais c'est super ça. Et pour rehausser le goût, on ajoute l'ail coupé quand les pommes de terre sont cuites. Tu peux couvrir et éteindre. Et tu peux éteindre. Ouais. Et là, j'éteins. Voilà. Allez, à table, c'est l'heure de la dégustation. Alors, cet ail cuit sera-t-il aussi succulent que celui de la grand-mère de Fabienne ? Bon appétit. Allez, voilà, merci, bon appétit. On va goûter, Fabie. On sent bien le goût des champignons. Tout à fait. C'est subtilement bien mélangé. C'est goûteux, oui. C'est diététique, c'est simple, c'est pas gras. Ça change du cassoulet, c'est plus léger. Je referai l'ail cuit, hein. Vraiment. Alors, pour réaliser cette recette de l'ail cuit de poulet, il vous faut un poulet d'un kilo et demi, 5 carottes, 4 pommes de terre, 8 champignons de Paris, des olives vertes, 2 oignons, 4 gousses d'ail, un bouquet garni, 200 ml de vin blanc sec, 300 ml d'eau, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de farine, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ça, c'est de la marmite. Hein. Ah, la liste est longue. Hein.